Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So in today's video, we are going to work on another dictation exercise and it is titled La Chandeleur. Donc bien sûr, il y a trois étapes dans cette dictée. There are three steps in this dictation exercise. 1, écoutez le texte en entier. So first listen to the text. 2, écouter la dictée et écrivez. So to listen to the dictation and write. This is where you grab a sheet of paper or open a word document and write. I will be reading the text slowly with punctuation. I will be repeating words and sentences. 3, écoutez la dictée une dernière fois. So, three, listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace this time, just like the first time, but I will be adding in punctuation. This will give you the time to finalize your exercise. Make sure to stick until the end of this video. That way, you can also correct the exercise with me and read the version in English. I am now going to read the instructions, but if you are already used to dictations, you can skip this step. I will be linking the timestamp in the description of this video. Les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. For example, if you hear je m'appelle Marie, virgule, enchanté, here's what you write. Si vous entendez point, écrivez un point. If you hear point, write down a period. For example, if you hear non, je vais à la plage, point, this is what you write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez a question mark. For example, if you hear, et toi, point d'interrogation, here's what you should write. Si vous entendez deux points, écrivez deux points. If you hear deux points, write down a column. For example, if you hear, voici quelques exemples, deux points, la mer, la plage, here's what you should write. Voici quelques exemples, column, la mer, la plage. Si vous entendez point d'exclamation, write down an exclamation mark. For example, if you hear bon point d'exclamation, this is what you should write. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. And lastly, if you hear à la ligne, skip a line. For example, if you hear salut Daniel à la ligne, comment ça va, this is what you write. Salut Daniel, you skip a line and comment ça va. Vous êtes prêt? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first listen to the text. La Chandeleur en France. La Chandeleur est une fête très ancienne. Le soir de la Chandeleur, on allumait toutes les bougies de la maison. Aujourd'hui, elle est célébrée partout en France. Elle est aussi connue sous le nom de la fête des crêpes et a lieu le 2 février. C'est donc une tradition de manger des crêpes le jour de la Chandeleur. C'est aussi l'occasion de faire des crêpes en famille. Les enfants adorent manger des crêpes sucrées ou salées. On prépare la pâte et on fait sauter les crêpes dans une poêle. Attention, il ne faut pas se brûler. Écoutez la dictée et écrivez. Now listen to the dictation and write. La chandeleur en France. La chandeleur. La chandeleur. Est une fête très ancienne. Point. La chandeleur est une fête très ancienne. Point. Le soir de la chandeleur, virgule, le soir de la chandeleur, virgule, on allumait toutes les bougies de la maison. Point. On allumait, on allumait toutes les bougies de la maison. Point. On allumait toutes les bougies de la maison. Point. Je répète la phrase. Le soir de la chandeleur, virgule, on allumait toutes les bougies de la maison. Aujourd'hui, aujourd elle est célébrée partout en France. Point. Elle est célébrée partout en France. Point. Aujourd'hui, virgule, elle est célébrée partout en France. Point. Elle est aussi connue, elle est aussi connue, elle est aussi connue, elle est aussi connue sous le nom de, elle est aussi connue sous le nom de la fête des crêpes, la fête des crêpes et a lieu le 2 février. Point. Elle est aussi connue sous le nom de la fête des crêpes et a lieu le 2 février. Point. Et a lieu le 2 février. C'est donc une tradition, c'est donc c'est donc une tradition de manger des crêpes, de manger des crêpes le jour de la chandeleur. C'est donc une tradition de manger des crêpes le jour de la chandeleur. C'est aussi l'occasion, c'est aussi l'occasion de faire des crêpes en famille. C'est aussi l'occasion de faire des crêpes en famille. Point Les enfants adorent manger des crêpes. Les enfants adorent manger des crêpes sucrées ou salées. Point. Les enfants adorent manger des crêpes sucrées ou salées. Point. On prépare la pâte. On prépare la pâte et on fait sauter les crêpes On prépare la pâte et on fait sauter les crêpes dans une poêle. Point. On prépare la pâte et on fait sauter les crêpes dans une poêle. Point. Et on fait sauter les crêpes dans une poêle. Point. Attention, virgule. Attention, virgule. Il ne faut pas se brûler. Point d'exclamation. Attention, virgule. Il ne faut pas se brûler. Point d'exclamation. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. La Chandeleur en France. La Chandeleur est une fête très ancienne. Point. Le soir de la Chandeleur, virgule, on allumait toutes les bougies de la maison. Aujourd'hui, elle est célébrée partout en France. Point. Elle est aussi connue sous le nom de la fête des crêpes et a lieu le 2 février. C'est donc une tradition de manger des crêpes le jour de la Chandeleur. C'est aussi l'occasion de faire des crêpes en famille. Point les enfants adorent manger des crêpes sucrées ou salées. Point. On prépare la pâte et on fait sauter les crêpes dans une poêle. Point. Attention, virgule, il ne faut pas se brûler. Point d'exclamation. Parfait. Corrigeons la dictée. Perfect. Let's correct our dictation exercise together. La chandeleur en France. La chandeleur est une fête très ancienne. Don't forget your accent circonflexe on « fête ». Le soir de la Chandeleur, on allumait toutes les bougies de la maison. So here we have the verb on allumait which is using imparfait which describes past habits. Here, on allumait. Aujourd'hui, elle est célébrée partout en France. Donc aujourd'hui, elle est célébrée. Make sure to add an extra e on célébrée because we are using elle here. Elle est célébrée. What is celebrated? Elle, la Chandeleur. So, la chandeleur is feminine, we're using elle. So, célébrer should be feminine singular as well. Elle est aussi connue sous le nom de la fête des crêpes et a lieu le 2 février. Donc, elle est aussi connue. Connue, here, is also a past participle and we are going to put it in its feminine form, singular feminine form, just like célébrer, previously. Don't forget your accent circonflexe on crêpe as well. Et a lieu le 2 février means takes place on February 2nd. Don't forget that in French, you do not capitalize the first letter of months. So, février should not have a capital F. C'est donc une tradition de manger des crêpes le jour de la chandeleur. C'est aussi l'occasion de faire des crêpes en famille. So, here, just don't forget your accent once again on crêpes, but there's nothing too tricky here. Les enfants adorent manger des crêpes sucrées ou salées. Now here, sucrées and salées are used as adjectives to describe crêpe. Crêpe is feminine, but here we're adding an s, so feminine plural. Therefore, sucrées and salées should be feminine plural as well. So you add an e and then an s to both of them. On prépare la pâte. La pâte means the batter or the dough, depending on what you're preparing. La pâte. Don't forget, on forget l'accent circonflexe, on pat, et on fait sauter les crêpes dans une poêle. On fait sauter, we saute or we flip. Here it's more like we flip, we flip the pancakes or the crepe in a pan, une poêle. So the pronunciation of poêle here can be a bit tricky. I know that some people will pronounce it poêle, others will pronounce it poêle. I personally will pronounce it poêle. Pay attention to the spelling. Attention, il ne faut pas se brûler. Encore une fois, l'accent circonflexe sur brûler. So let's now take a look at the translation in English. La Chandeleur en France, Chandeleur in France, which is also called Candlemas, but we're going to stick to Chandeleur here. La Chandeleur est une fête très ancienne. Le soir de la Chandeleur, on allumait toutes les bougies de la maison. Chandeleur is a very ancient celebration. On the evening of Chandeleur, all the candles in the house were lit. Aujourd'hui, elle est célébrée partout en France. Elle est aussi connue sous le nom de la fête des crêpes et a lieu le 2 février. Today, it is celebrated everywhere in France. It is also known as la fête des crêpes and takes place on February 2nd. C'est donc une tradition de manger des crêpes le jour de la Chandeleur. It is therefore a tradition to eat crêpes en chandeleur. C'est aussi l'occasion de faire des crêpes en famille. Les enfants adorent manger des crêpes sucrées ou salées. It's also the opportunity to make crêpes, or crêpes, with the family. Children love to eat sweet or savory crêpes. On prépare la pâte et on fait sauter les crêpes dans une poêle. Attention, il ne faut pas se brûler. The batter is prepared and the pancakes, or the crêpes, are are flipped in a pan. Be careful not to burn yourself. Très bien. Cette dictée est maintenant terminée. If you like this kind of content, please make sure to like this video, comment down below or subscribe to my channel Learn to French. All of these options are free. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir.